J'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de la Revue des Deux Mondes de mai juin. Double numéro, double affiche. Et quelle affiche ! Nietzsche et Pascal, deux figures géniales de la philosophie. Grand admirateur de Nietzsche, Michel Onfray livre les clés pour comprendre les idées du philosophe prussien. Il n'est pas le philosophe de la décadence auquel on le réduit parfois. Yves de Gaulle nous raconte d'ailleurs que son grand-père avait retenu de Nietzsche que sa pensée était un hymne à la vie. Nietzsche est aussi un amoureux de la France. Il séjourne 5 fois à Nice, adore Stendhal et est fou de Bizet. Quant à Pascal, né il y a tout juste 400 ans, c'est à Cédric Villani que nous avons demandé d'en parler. Le mathématicien partage avec Pascal une passion des sciences. Il en fait un portrait inattendu de scientifique joyeux et audacieux. Également au sommaire, un inédit de Julian Freud. Lors d'une conférence en 1976, le philosophe et résistant français s'était insurgé contre une résolution des Nations Unies assimilant le sionisme au racisme. Pour la première fois, le texte de son intervention est publié. Retrouvez comme toujours dans le numéro une mine de conseils et de lectures et de sorties culturelles. La Revue des Deux Mondes est en vente en kiosque et sur notre site. Bonne lecture !